Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, dans le 11, avec les frérots Maski, ça va ou quoi? Tranquille, pas frérot. Ah, bien, bien, on est où en fait là? Là, tu connais, on est à Barreau, Alexandre Dumas, dans le 11e. Tu connais, on est là, on a grandi ici, voilà. Bah, moi, c'est Maski, un jeune rappeur. Là, j'étais en groupe avec mon poteau là, c'est séparé, tu connais, là, je suis solo. Bon, vous voyez, hein, fin d'année, début d'année 2022, on va envoyer du lourd. Là j'allume mon nid, je libère mes démons. Il faut que la police est fou, je suis plus poli. Ils veulent plus que ce qu'elle volait, la cité en pollue. La truc découpe là, elle veut s'accoupler. Moi je veux la voler, Clicos m'a appelé. Bonbonne, je suis à plat, il dort sous la pluie. Alerte à la place, il la redave la plaque. L'hiver comme la pluie. T'as fait des trucs un peu en groupe et tout, mais t'as rien fait solo. J'ai envoyé un clip avec mon poteau là. On a envoyé un clip là, il est à 3000 en 4 semaines, un truc comme ça. Mais tu connais, vas-y, on est parti chacun de notre côté, on va continuer solo. Hein. Comment ça se fait, vous êtes. Ah, tu connais ça, c'est on a des petites histoires entre nous. Ah, ouais, c'est ouais. Rien, ça bouge pas, pour saluer. Mais du coup, en plus, le clip a été mis sur une chaîne des mecs du 12. Ouais, c'est un grand chez nous, Pimo Record. Isma, c'est un bon vent à nous, il fait des bons trucs. Il a créé, voilà, c'est un bon clipper, voilà. Là, tu connais, on l'a exactement, on est au passage. Ça, c'est ouais. Du bureau. Là, c'est plus les grands exposés ici. Tu vois, les moyens. Les 04. Ouais, t'as capté 04 à 02, ça se pose ici. Nous, on se pose plus vers là où on était là-bas. Et y'a qui d'autre comme rappeur un peu dans la zone ici, dans le secteur? Ici t'en as beaucoup, hein. T'as la RS, SKU, tu l'as fait. DMS, c'est un très bon talent, il arrive. Y'a Daco. Daco c'est un grand. Y'a RC Casquad, hein. Ouais c'est lui la RS. Après y'a les plus connus, Gazo aussi. Capté, il vient d'ici. Après y'a d'autres potes à moi du 12 là. Je connais, y'a mon frérot Habib, Habib 12V, c'est un bon, il arrive très bientôt là. Bon du coup toi tu connais aussi un peu le 12 et tout. Je sais que c'est entre le 11 et le 12, la mentalité elle est différente, tu trouves? Ouais, je dirais que dans le 12, t'as capté, c'est plus ce côté famille, t'as capté. Ah, tu trouves, ouais? Ouais, dans le 11 aussi, c'est familial, t'as capté, mais c'est vraiment séparé, t'as capté. Il y a chaque génération est entre elles ici, t'as capté. Dans le 12, c'est vraiment tout le monde est ensemble. Tu connais, c'est mes racines le 11, hein. C'est pour ça. C'est je ça, suis, hein. Je grandis ici, je reviens ici, tu connais. Depuis combien de temps, toi, t'es dans le 11, toi? J'habite ici depuis 2013. Hein, ah, oui, quand même, hein. Oh, ça date. On a toujours grandi ensemble, t'as capté. Ensemble. Ça soutient un peu dans le 11 ou quoi? Les rappeurs ils soutiennent entre eux. Ça se soutient beaucoup. Carrément ici tu verras des rappeurs plus donner la force à d'autres rappeurs que se donner la force à eux-mêmes. Ah bien ici. Bien. Franchement ouais. Ouais mon ref, du coup là on est de quel côté là? Là, on parle de Charonne. Hein. Ouais. La Charonne, Philippe-Auguste. Ici, tu vois, ici c'est l'endroit où il y a tout. T'as capté, tu peux trouver les épiceries, tu vois, les Grecs, tout ça là, c'est ici. Ce ouais ici. C'est où? Les fun comme ça pour ouais. Charger des trucs, tout ça. Ça c'est vraiment la rue, il y a tout. C'est où le meilleur grec ici, tu penses? Le meilleur grec? C'est... Il y a le casse-croûte, il est en haut là-bas là. En fait c'est dans le 20e mais c'est collé au 11. Ouais c'est collé au ouais. Il y a le 54 bis. Il y en a un aussi, il est juste là en bas là. Il y en a beaucoup. Tu connais, on est à Borné. J'étais Borné. Ici, on se posait beaucoup ici quand on était petits. On est, comme tu vois, il n'y a que des petits, t'as vu? Ouais, que des petits, hein? Ouais, quand il y a des événements ici, genre fête de quartier, tout ça, on vient là. C'est ici. William Thomas, là, juste là. Ouais, ah donc, ouais? Ouais, il y a le truc William Thomas juste là. Ici, quand il y a des trucs de quartier, on les fait là. Genre fête de quartier, barbecue, des gros clips. Comme il n'y a pas longtemps, bah, par exemple, Gazo, il a fait un clip ici, il y avait tous les quartiers. Il a fait un clip ici, ouais. Ah, c'est bien. Ouais, puis... c'est pareil que là-bas, ici, il y a plein de trucs, hein, les restaurants africains. Il y a le foyer, tu connais en été, les chars viennent vendre des bisaps, des trucs comme ça, t'as capté. C'est bien. Pour nous rafraîchir. Puis c'est comment mon rêve, toi, les studios, ça va où toi d'habitude? Moi, au studio, je vais à Pantin, à 50K, soit à Pantin à 50K, soit à la récré. Les deux. En ce moment, je vais plus à la récré. Ça va, c'est où lui la récré? La récré, c'est un grand du 11, il a son studio, c'est à Châtelet dans le 1. Ah, bien, bien. En fait, j'ai fait qu'un son à 50K, sinon tout le reste, je les ai fait là-bas. Après j'en ai fait un dans le 12 aussi, dans un studio, mais ça c'est plus un truc associatif, t'as 4 ans, on n'a même pas payé. Ah ouais, normal. Ouais, les projets là, un peu ça du coup aussi. Les projets. Comme projet, moi, je vais continuer à balancer des sons. Tout balancer des sons, des clips. Après, bientôt là, j'ai un projet avec un mec, tu connais, je ne veux pas trop en parler, mais c'est un bon projet. Ça va, c'est des mecs du 11 aussi. Bon, il y a la question, comme d'hab. Tous les rappeurs, enfin pas pour tous les rappeurs, mais j'ai dit souvent, ouais. C'est qui tes trois rappeurs préférés toi? Mes trois rappeurs préférés? Nino, Gazo et... En ce moment j'aime bien Pop Smoke. Hein. Ouais. Pop Smoke, voilà. Les trucs Like Mary là.
Et en plus là, ouais, les Gazo, c'est le seul ici dans le 11 qui a pété bien un peu, non? Enfin, qui a vraiment pété. Ouais. Mais sinon, en rappeur, ouais, il y a que Gazo qui a pété. Après, tu connais, il y a, comme je t'ai dit, le grand Daco, c'est un bon aussi. Il est sous-côté, t'as vu? Parce que là, ce qu'il a sorti, en fait, il a juste sorti des petits trucs, t'as capté. Il arrive. En fait, t'as vu, j'ai écouté des sons à lui, là, qui vont sortir, et franchement, ça va péter. Hein. Il va sortir des bons projets, là. Restez branchés sur lui. Restez branchés. Mais quoi, William Thomas, il vient du 11, du coup? William Thomas, ouais. Il y a des bons clippers dans le 11 ou quoi, c'est bon? DSM, il est bon, hein? Qui? DMS, pardon. Théo Gauthier aussi. Théo Gauthier. Ah ouais, force à lui, ouais, d'ailleurs. Il est très fort, Théo Gauthier aussi. Le petit frère Badjara, il a fait un film, il va sortir bientôt, voilà. Ouais. Le petit frère. Parti de la team BSB. Parti de la team BSB. La team BSB. Ouais. On est tout là, tu connais, on est du côté RDB, rue des Boulets. Ici, c'est un bon coin, c'est planté. C'est un bon. Là aussi, il y a les frérots, là, ils ont une boutique. X-Fun. C'est comment, les gars? Okay, toujours là. Et hein. Petite question pour terminer, là. Ouais. C'est quoi déjà vos marques, un peu, vous? Marques préférées? Ici. Par exemple, à Barreau, il y a BSB. Après, à Rocket, il y a une marque aussi à Rocket. Je sais plus c'est quoi. Je sais même pas. C'est un truc du 11 en même temps. Ah ouais, 11-7 ou un truc comme ça. Ouais, bref, c'est un truc que t'as tapé du 11. C'est quoi un peu les derniers sons que vous avez écoutés là? Moi, c'est D-Rose, mauvais garçon. Ouais. Tu l'as fait? Et ouais. C'est un bon. ATC, tu connais l'équipe, on s'embrouille pas pour histoire de fesses. Jamais de la vie là. Tu pars dans mon dos devant les gens, fils de pute, dis pas qu'on est frère. Jamais. C'est Davizy, hein. Moi, Gazo. Et toi, le sens, c'est quoi? Moi, Davizy, hein, toujours. Davizy? Ouais, toujours. Vous, quand vous êtes ensemble et tout, ça écoute quoi en général? Quel rappeur? Bah, que du rap FR, hein. Ouais. Moi, je suis plus dans le mood Chris Corleone, Gazo, toujours. En fait, je crois que j'écoute presque que ça. MJ, ouais. Fresh, Gazo. Ouais. Fresh, la douille aussi. La douille, il est fort, il est fort. Ouais, moi, j'écoute que ça. MJ, Fresh, la douille, Gazo. MJ, Fresh, la douille et tout. Quand vous regardez les clips, est-ce que vous trouvez c'est différent dans le 9-1, dans le 9-4 et tout, que ici dans le 7-5? Différent? Ouais. Ouais. C'est différent. En fait, on n'a pas la même mentalité. En fait, toi, tu parles audiovisuel en mode. Tout, de n'importe quoi. Bah, les... En fait, dans le 9-1, 9-4, dans le banlieue, en banlieue en général, là, dans le visuel, il y a beaucoup de. Tu vois, les armes, les couteaux, tout ça. À Paris, en mode à Paris, ça montre beaucoup des couteaux, des trucs comme ça, mais là-bas, ils sont plus dans les trucs d'armes à feu, tout ça. Leur défrisage sur le côté et tout. Là. Et puis sinon, un peu les rapports que vous trouvez sous-côté, vous direz qui vous? Sous-côté? Moi j'en ai deux. Il y a Mas Omerta, c'est un mec de Grigny. De Grigny, il est chaud, hein? Grigny, si je dis pas de la merde, il est très très chaud. Et encore une fois, Daco, hein, franchement, il est très sous-côté. Hein. Pareil, les gars, vous direz ouais, quoi? Même, ouais. Daco. Hein. Il y a une question aussi, les gens ils aiment bien savoir. Vous êtes de quelle origine, vous, en fait? Moi, je suis Sénégal-Algérien. Ouais. 100%. Moi, je suis Congolais, hein, tu connais? Non, Ivoirien. Congolais 100%. Et vos marques préférées un peu, comme vous savez, imaginez quoi, oh imaginez, ça vous donne 1000 balles, genre vous devez dépenser dans une seule marque. Ça va chez Nike, hein. Nike. Ouais, Nike. Moi Nike, hein. Nike direct. Mais ouais. Par exemple en bas tout ça, en survêt, j'aime bien porter des trucs Nike. Après quand c'est les hauts, les doudounes, j'aime bien les doudounes, t'as vu, de marque, genre Scott, t'as une Clive, des trucs comme ça. Dans mon cœur. C'est carré. Ouais, en plus, on m'a dit dans le 7-5. Ils aiment bien saper un peu avec les marques comme ça là. Ouais, plus que ouais. Dans la banlieue où ils s'en battent les couilles et ouais, tout. Ouais, nous c'est London, hein. On s'inspire trop de London. Ouais. On le fait à notre sauce. Captain London, c'est vraiment les mecs qui chartent avec des cagoules, tout ça. Nous on est en mode juste on met des doudounes. Surtout dans le 11, on aime bien la sape, nous. On sait s'habiller. Ouais. Il y a des dernières questions, comme d'hab. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Moi je suis pas trop dans le foot en vrai. Hein. Ouais. Mais je vais dire Liverpool. Liverpool, ouais, vous les gars? Liverpool aussi, hein. Il y a notre frérot, hein. Ibrahima Konaté aussi. Ah oui, c'est vrai ça. Hein. 11 aussi. Non, bon. Moi j'en ai deux, hein. Real Marseille, ça bouge pas. C'est carré, c'est bien. Toi? Un souci, toi? Ah, moi c'est City Bayern, là. Ouais, ils sont trop puissants. Bon, ça va. C'est quoi tes réseaux, mon ref, qu'on te suive aussi? Moi, tu peux me suivre sur Snap, hein. C'est Kam-V12, KAAM-V12. Et mon Insta, c'est Mas-4R. Vas-y, carré, les gars, bien vu en tout cas. Hein. On est ensemble, merci. Hein. On est ensemble. Dans leur son, ils se remplissent de piques, on va en saisir un, on va le faire dormir. Je casse la branche, moi trop dans le pavillon, j'y vais serein, j'ai pas peur de la détention. D'envoie mon daron, j'ai fini me noter, ces fils de pute à la trace me filochent. Aviva Jiwa Rosanov, toujours pisté par les bancs.